Nous avons reçu de la part d'un lecteur la question suivante. Où trouver la force d'aller sans cesse de l'avant et où puiser ses ressources pour ne jamais baisser les bras? Alors, aujourd'hui, je répondrai, je dirais, de manière plutôt philosophique. Vous verrez à quel point la philosophie peut avoir en fait des réponses percutantes quand elle touche le cœur des 7 milliards d'humains que nous sommes aujourd'hui sur cette planète. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Solinomind. Alors je vous propose d'aller directement à la source afin de trouver cette force qui vous permettra sans cesse d'aller de l'avant comme le souhaite cette personne qui nous pose cette question. Nous vivons tous dans un monde où personne ne sait rien et où tout le monde fait comme si nous ne le savions pas. Alors, levons le voile aujourd'hui sur une réalité qui est juste sous nos yeux mais que nous faisons mine de ne pas voir. Depuis la nuit des temps, il y a eu différentes organisations, des centaines de religions, de philosophies, mais aussi divers courants de psychologie qui ont circulé en fait de génération en génération. Et si on considère que des croyances portées par des rituels spécifiques constituent en fait une forme de religion ou un mode de pensée philosophique, alors je ne prends aucun risque à dire qu'il y a autant de philosophies et de religions sur Terre que d'humains peuplant cette planète. Vous me suivez ? Ok. Alors, la question, c'est pourquoi avons-nous besoin d'imaginer un futur, un après ? Pourquoi avons-nous besoin d'essayer à un moment donné de nous poser la question du pourquoi, la question du sens ? Parce que c'est précisément en répondant à ce sens que nous trouvons notre force et nos ressources pour aller de l'avant. Ça va jusque-là ? Voici une de mes citations que j'utilise souvent pendant mes formations. C'est que tant que tu te poses des questions, c'est que tu n'y crois pas. Un exemple, vous voulez sauter d'un pont de 25 mètres dans un lac. Certains d'entre vous le feront, et d'autres pas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fera sauter certains d'entre vous et pas les autres? C'est simplement le fait que les personnes qui vont sauter ont une image d'elles-mêmes réussissant ce saut. Pour elles, ça devient une évidence, elles l'ont déjà vu. Elles ne se posent plus de questions, et du coup sautent. Pour les autres personnes, eh ben, c'est l'inverse. Elles ne se voient pas sauter. Elle se voit même peut-être déjà morte, ou après le saut, ou alors, je dirais, en mauvaise posture. Elle n'y croit pas, et donc, elle ne saute pas. Mais c'est qu'on sent encore un petit peu. Une personne qui veut sauter, mais qui dans sa tête se pose plein de questions, telles que, par exemple, et si je me rate? Et si je me casse une jambe? Et si je tombe mal? Alors du coup, elle restera accrochée à la rampe du pont, tant qu'elle se posera ces questions. Il n'y a qu'au moment où elle va faire ce qu'on appelle un lâcher-prise, qu'elle ne se posera plus de questions du tout. Alors, elle se lancera. Ceci permet de comprendre que si nous continuons à nous poser des questions sur le sens de la vie, notre sens personnel sur la mort, l'après la vie, c'est que nous n'en savons toujours rien. Si nous continuons à inventer de nouveaux courants de psychologie, de nouveaux modes de pensée, c'est que tous ceux que nous avons créés au préalable deviennent en fait caducs et ne répondent pas à nos questions du sens, en tout cas à nos questions du sens du moment. Ce qui est étonnant, et personnellement j'appelle ça la grande blague, c'est que personne n'en sait rien. Si vous voulez, nos scientifiques continuent toujours à chercher, les plongeurs aussi, et les mystiques et les philosophes tout autant. Si quelqu'un le savait, si quelqu'un le savait vraiment, on le saurait depuis bien longtemps, et on ne se poserait plus de questions. Mais voilà, personne n'en sait rien. Et ce qui est magique, c'est que ça nous met tous en fait au même niveau. Cette simple prise de conscience permet de regarder, de parler avec n'importe qui en se plaçant exactement au même niveau. Oui, toi et moi, nous sommes ignorants du sens de notre existence. Et malgré tout notre pseudo-savoir, nous ne pouvons même pas définir avec certitude d'où nous venons, ce que nous faisons ici et où nous allons. Alors voilà, maintenant que ça est posé, il ne reste plus qu'à s'élever et à faire en sorte que cette ignorance commune devienne en fait un déclencheur d'action, un déclencheur de rêve, de contribution, d'amour, de partage et de réalisation. Parce que c'est ça, à la base, la question.
qu'il faudrait faire, c'est que cette ignorance puisse permettre à tous ceux qui se sentent concernés, et moi le premier, de trouver la force d'aller sans cesse de l'avant et de ne jamais baisser les bras. Alors comment faire concrètement? Tout d'abord, je vais vous demander de fermer les yeux et méditer longuement sur ces trois points. Personne ne sait d'où on vient, ce que l'on fait ici et où l'on va. Personne ne sait d'où l'on vient, ce que l'on fait ici et où l'on va. Et ressentez ces mots à l'intérieur de vous-même, en les répétant. Personne ne sait d'où on vient, ce que l'on fait ici et où l'on va. Ressentez cette unification qui se produit en vous, avec tous les autres êtres vivants. C'est ce point ultime qui nous relie tous. Personne ne sait d'où on vient, ce que l'on fait ici et où l'on va. Ressentez cette ignorance commune qui, au premier abord, peut être perçue comme une tristesse ou comme une souffrance intérieure, une souffrance silencieuse et commune. Respirez. Et une fois que vous ressentez cette union avec tous les êtres de cette planète, faites monter en vous de la compassion, de l'empathie pour tous ceux en fait, qui ne sont pas encore éveillés à cette vérité collective. Car s'il y a bien une vérité qui est collective, c'est bien celle-là. Nous avons tous nos suppositions, nos idéologies, nos croyances ou nos souhaits à ce sujet, mais aucune certitude. Ensuite, toujours en gardant les yeux fermés, dites-vous à vous-même, si personne n'en sait rien, alors je fais partie moi aussi des chercheurs de la vérité, des chercheurs du sens. Si personne n'en sait rien, alors je fais partie moi aussi des chercheurs de la vérité, des chercheurs du sens. Maintenant, imaginez une pièce d'or cachée au milieu en fait, de millions de cailloux. Pensez-vous que ce soit le prix Nobel ou le plus riche du monde ou le plus pauvre qui va la trouver? Non, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe quelle personne qui décidera de chercher. Nous avons tous la capacité de découvrir le sens de nos vies. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous agitons chaque jour à essayer en fait, de remplir tant bien que mal nos 24 heures pour donner du sens, nous donner une raison d'être. Maintenant, rappelez-vous, notre réalité personnelle a du sens pour nous et nous irons en règle générale toujours vers ce qui a du sens pour nous. De plus, nous supporterons toujours ce que nous créons. Par exemple, nous croyons que, ce travail est parfait pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le vendre. Nous allons vendre notre croyance et nos choix à tous nos amis. Et nous trouverons toujours un tas de raisons qui viendront en fait supporter ce choix. En d'autres termes, nous irons chercher d'autres ressources pour élever notre propre croyance, afin en fait de nous persuader que nous sommes dans le vrai, alors que c'est juste notre propre vérité. Et je dirais, c'est très bien ainsi. Il faut juste le savoir. Alors la règle la plus simple, qui semble l'évidence même, est de définir notre propre sens en dehors de celui des autres. Combien de personnes ont-elles défini clairement et précisément ce sens? Combien d'entre vous et combien de personnes ont écrit noir sur blanc ce qu'elles veulent devenir dans cette vie? Ce qu'elles veulent atteindre dans cette vie, leur sens de vie. Nous créons des buts et des objectifs en fait pour tout. Mais avant de créer des micro-buts, ne serait-il pas plus intelligent de créer le but ultime de sa propre existence? Ne serait-il pas plus intelligent de le définir au préalable? Dans la partie avancée de notre séminaire Self-Mastery, la maîtrise de soi, nous passons un long moment à définir ce point qui est primordial. Comment aller vers un point précis si je ne connais pas ma destination? Prendre sa vie en main et être maître de son existence pour trouver cette force de toujours aller vers l'avant ne peut se faire tant que vous n'avez pas défini clairement votre but ultime de vie. Une fois que vous avez, je dirais, clairement défini ce but ultime de vie, alors maintenant posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce que je veux atteindre ou être absolument ça? Quel sens profond ça a pour moi? Que deviendrai-je quand j'aurai atteint ce que je veux atteindre? Ou alors, que deviendrai-je si je ne le fais pas? Ressentez à l'intérieur de vous-même que rien ne peut vous arrêter, car c'est votre réalité et qu'elle ne peut être contredite par, je dirais, que par celui qui connaît l'ultime réalité. Et or, à ce jour, personne ne l'a encore rencontré, hormis dans ses suppositions, ses propres interprétations. Revenons maintenant à la question posée. Où trouver la force sans cesse d'aller de l'avant? Où puiser ses ressources pour ne jamais baisser les bras? La réponse, en fait, est à l'intérieur de nous. Notre existence est faite de 80% de psychologie, c'est-à-dire 80% qui représentent nos modes de pensée,
et nos conditionnements pour 20% de mécanique, c'est-à-dire d'action. Et par ailleurs, 20% de nos actions seulement produisent 80% de nos résultats, comme l'exprime souvent, à juste titre d'ailleurs, Tony Robbins dans la plupart de ses séminaires. Donc, pour trouver cette force de générer l'action, nous devons passer par une modification mentale. La réponse est uniquement, en fait, dans notre esprit. Tant que nous ne regardons pas la réalité devant nous telle qu'elle est, tant que nous donnons des accords à des dires ou à des personnes qui ont des titres, sans vérifier par nous-mêmes, nous nous écartons en fait de la réalité. Mais si nous donnons par exemple nos accords à ce qui est le réel, comme par exemple le simple fait que personne ne sait rien sur notre nature humaine, cette simple pensée élève simplement en fait un sentiment d'égalité, laissant libre cours à tous les possibles. Plus vous allez faire de petites actions, plus vous allez vous sentir heureux et plus fort. Et plus cela va générer une nouvelle image de vous-même, qui va en fait vous donner de l'enthousiasme en élevant votre croyance et vous faire voir que vous avez ce potentiel qui vous permettra de refaire une autre action. Et puis ainsi de suite. La clé se trouve dans le regard de la réalité, l'acceptation de la réalité, de faire tomber les piliers en fait des différences de niveau, des différences de culture, de race ou autres différences qui n'existent pas en soi. Puis de créer vos propres croyances, générer une toute petite action qui va permettre en fait à votre cycle d'évolution positive de se mettre en mouvement. Tous ceux qui se sont accaparés, je dirais, le savoir de la connaissance dans le domaine du sens de la vie, ben, en fait, nous ont menti, car eux non plus ne le savent pas. Mais la méga nouvelle du jour est que tant que personne ne sait rien, eh ben, profitons-en, car tout est encore possible. De plus, ça nous laisse libres à 100%. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle pourra aider un ou je dirais plusieurs de vos amis. Quant à moi, je vous dis à plus tard dans la vie et comme on dit en indonésien ici à Bali, Sampai Jumpa Lagi. Je vous souhaite d'apprendre, de vivre le bonheur, de le partager et d'évoluer ensemble.